Hello, abonne-toi à cette chaîne ici. C'est une nouvelle bourse pour la filière logistique et transport niveau master. Tous ceux qui souhaitent aller étudier en Belgique pour le niveau master, c'est une bourse qui est ouverte pour tous ceux qui sont étudiants internationaux qui désirent aller en Belgique pour une formation de haute qualité. Donc ici, vous devez remplir certaines conditions au préalable. Donc vous devez avoir ce point master de spécialisation en logistique et transport. Il faut avoir une licence et avec une bonne moyenne. Donc, on va vous voir comment vous devez postuler à cette bourse. Les établissements organisateurs, Université libre de Bruxelles et Université de Namur. Responsable académique, docteur Frédéric, conditions d'admission. Vous devez lire au fur et à mesure conditions d'admission pour le niveau logistique et transport et savoir comment faire et aussi les informations concernant la formation. Le contenu de la formation aussi. Là, il faut pouvoir lire avec concentration pour savoir comment ça se passe. Cliquez sur le lien à la barre de description, abonne-toi à la chaîne. Clique sur le lien à la barre de description, le lien te permettra d'accéder directement au site Giraffe. Et pour pouvoir t'inscrire, ce n'est pas dans ce site ARES, dont il y a un site dédié pour s'inscrire pour cette bourse transport en logistique entièrement financée de minimum 1 200 dollars chaque mois à l'étudiant et allocation alimentaire, pension alimentaire. Donc pour déposer la candidature, pour remplir conditions ici. Suite à cette bourse, vous devez activer votre compte Giraffe, ouvrir et compléter un formulaire de candidature. La limite d'introduction des candidatures, vous devez respecter la date limite. Ici, là, il y a un truc très, il y a un truc, il y a une étape très importante à savoir, aucun suivi ne sera accordé au dossier qui. Donc vous devez aller à la mairie ou à l'administration ou bien sur le sous-préfet ou le notaire ou qui n'importe qui d'autre. Vous devez certifier vos documents, copie conforme, vos diplômes qu'on demande en copie conforme et vous allez les envoyer en ligne et on va traiter vos dossiers. Dossiers qui ne sont pas légalisés ne seront pas traités. Donc c'est très important à savoir. Ceux qui veulent plus d'aide peuvent nous écrire en commentaire les documents et aussi s'ils veulent savoir comment faire une lettre de motivation ou un CV pour postuler à une bourse en ligne, il faut toujours nous écrire pour cela. Donc pour ceux qui veulent créer le compte Giraffe, vous devez sélectionner votre pays, si vous travaillez, où vous résidez, votre niveau d'études, votre expérience professionnelle. C'est très important. Donc, supposons que je mets rwandaise, travaillez-vous et résidez-vous actuellement dans l'un des 29 pays ci-dessus.
Jésus, oui, ça c'est techniquement, hein, mes amis. Quel est votre niveau d'étude le plus élevé? J'ai dit bar plus 3. Attention, vous ne pouvez pas candidater, vous ne pouvez pas candidater autant pour moi que pour les bacheliers dans la spécialisation proposée par ARES. Donc maintenant, lorsque je vais dire bar plus 5, on va valider. Parce que c'est une bourse de niveau master et on ne peut pas, même si je clique ici, on va dire il est nécessaire d'avoir au minimum un niveau d'études supérieur équivalent à un bac plus 3 pour postuler aux formations proposées par ARES. Donc, lorsque je clique ici, on m'admet directement. Donc, il faut avoir un bac plus 5, mes amis, et pour pouvoir remplir ces conditions. Quelle est votre expérience professionnelle? J'ai dit, je peux témoigner de 2 ans. Il n'y en a pas de problème. J'ai cliqué sur créer un compte. Ici, ça vous amène à cette étape. Vous n'êtes pas des nationalités résidant et travaillant dans l'un des 29 pays. Vous êtes étudiant ou vous n'avez pas encore 2 ans d'expérience. Vous n'avez pas le niveau d'études requis pour la formation que vous avez postulé. Tout ce que créer un compte, suivez les instructions ci-dessus, attention, il est inutile de créer un compte ici. Donc, on a déjà rempli cette étape ici. Maintenant, vous mettez votre adresse email tranquillement et vous faites étape suivante. On va vous dire ce qui va suivre, c'est comment est-ce que vous allez continuer. Ça va, c'est des informations. Les informations viendront dans votre boîte email. Donc, c'était un exemple, mes amis. Donc, like le contenu et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Ici, la date limite d'introduction des candidatures, c'est le 28 janvier, l'heure belge. Et vous devez certifier, je répète, vos documents avant de les envoyer, les copies conformes. Vous les envoyez en ligne et vous serez retenu très vite pour tous ceux qui ont le master déjà. Je veux faire des formations en Belgique, entièrement financées. C'est ici cette occasion qui vous permettra d'aborder cette bonne formation. Un coaching sera organisé sur cette bourse. Il y en a plusieurs filières de spécialités. Vous aurez ici au fur et à mesure, durant plusieurs jours. Donc abonne-toi à la chaîne et like le contenu, commente. Nous allons organiser des coachings payants, très moins chers en ligne, pour pouvoir postuler à cette bourse pour tous ceux qui souhaitent le faire. Donc nous allons soutenir ceux qui ont le master déjà, qui peuvent impérativement prendre part à cette bourse et attendre les candidatures. Donc, le coaching sera organisé en ligne par notre organisation. Donc, vous aurez une affiche qui vous permettra de prendre acte de la date du jour de ce coaching. Donc, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater de cette formation.